Alors, cheval blanc 2010, cette fois-ci on va essayer d'aller jusqu'au sommet et pas que sur les crêtes. C'est toujours par là et ça va pousser pendant au moins une heure. Ça fait déjà 1h50 qu'on roule et on a fait 600 mètres de dénivelé. Jacques, tout là-bas au fond, on va passer derrière ce pic là, parce que le sommet c'est pas ça, c'est pas lui le sommet, il est encore derrière. J'en peux plus. Donc Jacques là-bas au fond, j'enlève le zoom, et voilà où on est, perdu dans la pampa, aucun chemin, mais on monte comme ça. Ça y est, nous voilà sur la crête, enfin. On vient de marcher une heure en poussant pour 400 mètres de dénivelé. Pas si mal. Tout petit tour d'horizon. Là-bas dans le trou, dans le fond, il doit y avoir Digne. Robert arrive. Alors en fait c'est pas le sommet ça, c'est le sommet des croquets, nous le sommet du cheval blanc il est derrière. Apparemment il va falloir encore pousser parce que ça n'a pas l'air super roulant. Et Robert arrive. Il s'appelle déjà lui. Le croquet. Le sommet des croquets. Tout à l'heure on était là-bas en bas sur la crête. Et on va à l'observatoire. Là. Et la descente, je prends la droite. Je pense qu'on va chercher un peu. Je vais me tracer au GPS. Il est marqué ? Oui, marqué. Sur la crête du cheval blanc.